Pour répondre au petit défi numéro 2 de Julien, Julien Tex sur sa chaîne, trouver deux choses qu'on peut manger dans la nature. Ici, je suis actuellement sur l'île des États. L'île des États, c'est juste à l'ouest des Falklands, mais assez loin. Et puis à l'est de la Terre de Feu. C'est séparé de la Terre de Feu par le détroit de Lemaire, qui fait environ une cinquantaine de kilomètres, je crois. Donc, trouver deux choses à manger. Ici, c'est pas facile, même si c'est l'été. Alors, première chose que je vais vous montrer, c'est... J'ai perdu ici. Donc c'est ça. Ces petites baies-là, qui sont de la Gaultérie. Voilà. Donc ça, ça ressemble à une petite pomme. C'est pas la première fois que vous voyez ça sur mon canal. Mais voilà. Et puis donc ça, ça se mange. Elles sont encore un petit peu amères, elles sont pas tout à fait mûres, mais ici, bon, là, franchement, île des États, il n'y a pas grand chose qui pousse. Allez, on va aller voir la deuxième chose que je veux vous montrer. Deuxième chose, deuxième fruit comestible, alors c'est pareil, qui est pas tout à fait mûr, c'est ici, ce petit buisson-là. Donc ça fait des baies qui sont minuscules. Alors c'est pareil, ça c'est pas tout à fait mûr, c'est de la myrtilla. Ils appellent ça, bah, grosso modo, myrtille, sauf que c'est pas du tout de la myrtille. Ça fait ça. Bon, ça, même quand c'est mûr, c'est pas terrible terrible, mais voilà, regardez, preuve par l'exemple, ça se mange. Les graines à l'intérieur sont quand même assez grosse. Pour l'instant c'est encore un petit peu dur, et puis on sent qu'il manque un petit peu de sucre quand même. Voilà pour les deux choses comestibles qu'on trouve ici, et qui, bah, ici la saison est super super courte. Sinon, et bah, sinon c'est de la viande, il faut chasser. Et ici sur l'île, c'est il y a du cerf de Virginie qui a été introduit par l'armée argentine, puisque ici, île des États, c'est argentin. Donc là, moi, j'ai de quoi en récupérer si jamais j'en trouve, mais si jamais j'en trouve, ce sera sur El Chauve Feral. Allez, bah, moi, je vous laisse là, et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, et puis surtout, faites tourner ce défi de Julien. Ciao, Julien!